formation de recherche. Et monsieur, vous faites quelque chose, voilà, vous avez toutes les informations de toutes les assistantes qui sont regroupées. Voilà, c'est la Fédération nationale des sciences de chasse qui a rédigé ce qui est l'attention des politiques. Et nous adhérons à notre projet et c'est le texte qui nous concerne à l'espèce de la médecine. Arnous, de notre famille, A-R-N-O-U-S, Estelle. Je travaille à l'association Intersigne. L'objectif d'Intersigne, c'est de militer pour que les professionnels sourds puissent exercer tout type de métier, toute profession, peu importe laquelle, de promouvoir l'accès à l'emploi et de ne pas être et de ne pas faire appel à forcément des interprètes et de pouvoir travailler directement. Merci. Bonjour, excusez-moi, je suis journaliste à France Bleu Poitou. J'étais en réunion à la mairie, donc j'ai raté le début. Ah. Je la connais pas. D'accord. Nous demandons cette reconnaissance pour son nom de culture française.
association avec qui nous sommes empêchés. Et nous avons cette vente de signes avec tout cet empêchement de discuter avec les personnes en manque. Donc la vente de signes, c'est utile. Il faut qu'elle soit reconnue, qu'elle soit entrée comme langue numéro 2 dans cette puissance. Pour que nous soyons à égalité. Comme l'a dit mon collègue, c'est pour permettre d'activer à l'activité de toutes les manières possibles. Y compris en Europe, à l'étranger, on a déjà reconnu de 4 pays, en Autriche, en Hongrie, au Portugal, en Finlande. Donc la langue des signes est reconnue comme n'importe quelle autre langue. Donc ce n'est pas une c'est pas une langue uniquement rentrée dans la Constitution, mais à l'heure actuelle, c'est une autre langue de France. Ce qu'ils veulent dire par reconnaissance, c'est qu'il faudrait que tout le monde puisse la parler aussi. Ben, comme vous voyez, aujourd'hui même, nous exprimions, le public est à l'écoute, et la langue d'expression aujourd'hui, c'est la langue des signes. C'est une vraie langue, notre langue de première. Il y a la langue parlée des enfants, et puis nous avons les signes. Ce n'était pas une langue complètement éthérée, elle est concrètement, elle existe à l'heure actuelle, et si nous sommes pas, nous exprimons avec cette langue. Donc, vous voyez ce texte. De la Fédération nationale des sourds de France. Donc, plusieurs associations sont affiliées à cette fédération et nous inscrivons dans la même philosophie que la fédération se réclame, y compris dans le cadre de l'État. J'espère un soutien des députés majoritairement. Nous l'espérons, nous espérons pouvoir les rencontrer. Nous désirions pouvoir rencontrer ces députés. Et donc l'Assemblée nationale ferait ce vote. Et y compris, nous désirons rencontrer les sénateurs pour les convaincre. Donc ici même, nous sommes chanceux dans la ville de Poitiers. Nous avons un parcours bilingue pour l'éducation. Nous avons un pôle santé qui nous est accessible. Donc nous demandons aussi le soutien auprès des médias et aussi des pouvoirs publics pour aller dans ce sens-là. Et ça sera traduit par exemple par une école pour apprendre la langue des signes pour avoir des traducteurs. C'est pas uniquement de la traduction, je pense aussi, comme les entendants qui ont des métiers de l'enseignement, y compris les personnes sourdes, sont aptes elles-mêmes à devenir eux-mêmes des professionnels qui peuvent apporter leur savoir directement à leur décision. Donc pour l'instant, les métiers ne sont pas entièrement ouverts, nous nous retrouvons limités dans l'accès à l'université, nous sommes encore limités dans plein de domaines, nous sommes limités pour avoir accès à l'information, donc nous ne sommes pas entièrement et complètement reconnus comme des citoyens et nous avons envie de parvenir à cette égalité citoyenne. Donc comme vous voyez, les gens ici présents sont tous motivés pour aller dans ce sens-là. Là, par exemple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a les élections européennes. Donc, est-ce que l'information est entièrement accessible pour toutes les personnes sourdes en ce qui concerne la campagne européenne? Non, comme vous voyez, ici même plusieurs sont en train de réagir. Il n'y a pas assez d'informations, que ce soit dans les ateliers, notamment à travers les sous-titres, la médecine. Il y a une difficulté à la lecture du français écrit. Nous sommes en retard au niveau de l'accessibilité de l'information. Oui. Peut-être que vous souhaitez le discours. Avec Abdirazak Halimi, on souhaite les élus ici, la première adjointe de l'éducation, l'adjointe en charge de l'enfance, nous sommes très sensibles à vos revendications. Il y a quelques jours, nous ferons ensemble l'exposition sur l'institution qui est née à Poitiers il y a maintenant un certain nombre d'années. Et on peut dire que Poitiers et la langue des signes ont un rapport historique extrêmement important à partir du travail, des associations, année après année. Il y a deux sujets sur lesquels vos revendications portent.